Salut les Pitchouns, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial dans le cadre du concours organisé en partenariat avec le Fairmont Monte Carlo et le musée océanographique de Monaco. Je suis avec la famille qui vient de gagner ce concours. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, ça va ? Nous allons pouvoir découvrir tout de suite la suite junior et on se retrouve dans quelques instants pour la découverte du musée. A tout de suite ! Et on se retrouve avec notre famille à l'intérieur de la suite junior. Je vais pouvoir leur poser quelques petites questions. Première question, comment est-ce que vous trouvez la chambre ? Eh ben, je la trouve jolie, belle et je suis hyper contente d'être ici. Super. Et est-ce que c'est la première fois que vous venez donc à cet hôtel ? Oui, c'est la première fois que nous venons à cet hôtel. Et comment est-ce que vous avez trouvé donc le lieu ? Je le trouve spacieux, très beau, enfin très grand, magnifique. Et comment est-ce que vous pourriez qualifier toutes les petites attentions que vous avez pu trouver donc, dans la suite junior ? C'est super, on a eu des bonbons et des cadeaux. Super, merci beaucoup. On se retrouve bien sûr dans quelques instants pour la suite de ce reportage. Et voilà les Pitchouns, vous venez de découvrir en images le musée océanographique de Monaco. Je suis donc avec notre famille donc qui a pu également découvrir ce musée et je vais bien sûr leur demander leur réaction. Liam, qu'est-ce que tu as préféré dans le musée ? Eh ben dans le musée, c'était les tortues. Les tortues, tu as pu les voir de près ? Oui. Et tu les as vues sous quelle forme ? Des tortues de terre ou des tortues de mer ? Les tortues de mer qu'on a vues dehors. Tortue mère que tu as vue dehors. Et toi, Amy, c'est quoi que tu as préféré ? Les hippocampes et quand on a touché les animaux. Donc, tu as pu profiter donc, de l'activité qui s'appelle le bassin tactile. Et est-ce que tu as vraiment, vraiment apprécié toucher les animaux ? Oui. Tu as pu toucher quoi comme animaux ? Des oursins, les berlards marmites. Et les hippocampes ? Oui. Les escargots de mer. Donc tu as pu toucher énormément d'animaux. Et vous les parents, qu'est-ce que vous avez apprécié dans ce musée ? Eh ben, moi, c'est ce qui m'a le plus plu, ben, c'est les méduses. Voilà. Ouais, le bassin des méduses. Voilà, l'aquarium à méduses. Et vous ?
Moi, le poisson clown, parce que bah, forcément avec Nemo. Donc les enfants étaient ravis de voir Nemo, Dory, donc le poisson chirurgien et le poisson clown. Une petite question encore avant de nous quitter. Est-ce que vous recommandez ce musée aux familles ? Bien sûr, bien sûr. Et puis les visites guidées sont très bien également. Et le bassin tactile était parfait. Et vous, votre avis ? Pour moi, je trouve que c'est un endroit magique pour découvrir tout ce qui est sur les fonds marins, sur les animaux marins, sur tout l'environnement marin, en fait. Et c'est un musée qui est absolument... c'est sublime, c'est superbe. Voilà, on trouve de tout. Voilà, c'est le top pour les familles. Voilà, pour découvrir un beau musée sur les fonds marins et tous les animaux marins, c'est le top. Super, merci beaucoup. On se quitte sur ces belles paroles et je vous donne rendez-vous bien sûr dans un prochain reportage sur TV Pitchoun. Bye bye.